Une victoire pour Robert Ménard, condamné en première instance à 2000 euros d'amende pour incitation à la haine raciale et à la discrimination. Le maire de Béziers a finalement été relaxé en appel. En 2016, Robert Ménard avait affirmé qu'il y avait trop d'enfants musulmans dans les écoles de sa ville. J'avais le sentiment que de décrire la réalité, dire ce qui est, je n'ai fait que ça. Dire oui, dans ma ville, dans ce pays, il y a une immigration massive qui a changé ce pays. Dire ça, qui est un simple constat, ça devenait un délit. On ne pouvait plus dire ce qui est, décrire la réalité. Et ça, c'est une victoire pour tous les gens qui sont juste attachés à la vérité. Et enfin, c'est une victoire contre des associations, vous savez, ces prétendues associations antiracistes qui exercent une espèce de terrorisme intellectuel, qui nous empêche de dire quoi que ce soit, qui nous somme de nous expliquer, qui nous montre du doigt et qui nous condamne avant même que la justice se prononce. Donc une victoire pour moi, une victoire pour la liberté d'expression et une défaite pour des associations qui sont au fond les pires ennemis de ce pays.